Tristan. Oh mon dieu. Veux-tu faire des vidéos délire avec moi? Monsieur le maire. Bonjour. Ah, c'est un honneur ici de vous enfin vous rencontrer pour la toute première fois. Avec. En premier. Et quand j'arrive, genre tu fais un montage, genre une belle musique et tout. Ouais, attends, y a pas un bouquet de fleurs? Monsieur, on va se marier. Ouais, merci tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, tous les deux vont finir pour la vie. Tout à fait. Par les liens du mariage. Tout à fait. Et donc, voilà. Dans la plus. Il bug un petit peu. Ah oui, il a pas avisé un petit peu. Est-ce que vous acceptez d'être unis tous les deux dans les pires moments et dans les meilleurs? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors vous, Vladimir Poubov, acceptez-vous de prendre Tristan Otaku pour... Ouais, Otaku. Oui. 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 Et vous, Tristan Otaku, acceptez-vous de prendre Vladimir Popov pour écouter? Ah bah, vous savez quoi? Eh bah oui, tout à fait, Obama. Oui. Ah, est-ce que je... Réunis par les... Ouais. Les forces de mariage... Oh. Non, je vous déclare mari et mari, donc vous pouvez embrasser le mari. Mouah. Et voilà, ouais. Ah, est-ce que je peux prononcer des petits mots? Est-ce que je peux... Ah, stop! Il se passe quoi, là? Ah, oh, putain! Bah... Non, malin, t'es venu juste pour faire chier, mec. Donc, je voulais... Donc, bah, je vais continuer, je voulais prononcer mes petits vœux. En italien. Alors, je vais mettre sur le bureau. Non, mais casse-toi, ouais, casse-toi, voilà. Bouffon, va. Donc, je tenais à remercier toute ma famille... Bon, mon mari est mort, mais c'est pas grave. Non mais tu dis que ça c'était pas RP. C'était pas RP, mais c'est pas grave, donc je vais continuer donc. Et dire que tout a commencé dans un garage. Je m'en rappellerai toute ma vie, la demande qu'il m'a faite. C'était vraiment un pur délire. C'est pour cela que du coup nous sommes unis aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Merci à vous deux d'être restés en vie. Et puis, voilà. Merci à tous. Il y en a pas. Si, il y en a un. Ah, merde, c'est parfait alors. Ah, ben. Normalement, oui, ça c'est pas le bon. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui proposer avec Lilian. On va aller lui parler un petit peu de ce mariage et puis on va organiser ça, d'accord? D'accord, bah nous on reste en bas, ok? Ouais, bah allez faire un petit tour de tuture. On vous appellera. Ouais, on vous appellera. Ok. Putain, j'ai un bug de son. Ah, monsieur? C'est pour... Ah, c'est pour une demande de mariage. Enfin, pour faire une cérémonie. Et j'ai donc... Ben, vous avez totalement mon autorisation. Ouais, mais j'ai... Vous voulez rentrer boire un café? Oui, si vous voulez. On va pouvoir discuter tout ça parce qu'on aura besoin du coup du maire pour nous lier, si vous voyez ce que je veux dire. On va organiser une petite cérémonie. Ben, venez, on va en parler. Mec, j'ai pas envie de me marier avec toi. Trop tard. Quoi? Alors, je vais profiter de ta richesse. Alors, vous allez t'étonner un petit peu de mon choix, mais c'est un garçon. Ah, il se prénomme Vladimir Popov. Non, je respecte totalement les gays. Je respecte totalement les gays. Je suis pas encore dans ce spawn. Ah si, c'est bon. Donc c'est Vladimir Popov. Donc on voudrait organiser une cérémonie avec plusieurs, avec d'autres mondes. C'est bon, on a le.
On a le la bénédiction du maire. Je m'occupe de la scène vite fait, moi. Non, mais c'est à eux de... Ouais, de mais juste... je vais juste faire la scène. Eux, ils feront le décor. Décor, les gars. Ah, ils sont où? Bonjour. Magnifique. Bon, alors, vous avez entendu Vladimir? Vous faites tout ce qui est décoration. Moi, je fais juste la scène. Et puis, voilà. Puis après, on va s'enjailler. Ouais, je suis le marié. Je suis le marié. Mais non, la scène, je m'en occupe, voyons. Donc, tu enlèves ce propre et on va s'occuper de tout. Bon, d'accord, allez. Allez, hop, file. D'accord. Allez, voilà, je vais faire un truc. Allez, dépêche. C'est bon. Pas trop vénère, le mec. Je vais faire un truc, mec. Allez, prenons-nous. Je suis devant la boîte de nuit. Regarde, je vais faire ça et je vais mettre des... Tu sais, les trucs à la... Il faut des cordes. Allez, vas-y, mon copain. Viens, on va faire les fous en voiture. Oh là là. Y a pas un bouton pour se muter sur Skype? Cordes. Si, mais faut le configurer. Attends, je vais faire. Parce que, genre, pour... comme ça, il y aura pas d'écho. Et ça va être beaucoup plus... Ça va être mieux, en fait. Si tu pas m'entendre en double. Tu veux faire quoi ça. Bah, tu sais, comme ils font, là, au mariage. Oui, enfin, c'est pas exactement comme ça, mais... Oui, bah, c'est avec des trucs à la... Oui. Ça marche nickel. Pa, 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 pa. Non, mais pa, pa, pa. Wouhou. Oh, bah, bravo, j'arrive. J'arrive, mon amour. J'arrive. Oh putain. J'ai failli te coincer aussi. Oh non. Oh. Oh. Oh parfait. Mec, marié, c'est ER. Les mariés ER. Attends, ça me casse les couilles, je suis plus sûr maintenant. C'est comme ça. Non, j'ai... Attends, il n'y a pas un S à marier. Oui, ils ont des plusieurs. Attends, je vais les voir sur correcteur. Vas-y. Les mecs, ils savent plus écrire. Non, mais tu comprends ça à la vidéo. Hein. Ouais. Mariage gay, mais faux gueule. Non, il y a des gens que je connais qui vont perdre. Tu vois, on m'appelait monsieur orthographe. Non, je déconne. Bon, est-ce que c'est comme ça? Correcteur. Vive les mariés. Pire, tu mets ça sur Google et tu regardes s'il y a le truc. Oui, bah c'est bon, tu... Bah attends, je vais essayer. Vive les mariés. Eh bah non, en fait, il y a qu'un R et c'est comme je l'avais au creux départ, donc tu fermes ta bouche. C'est moi qui avais raison au départ. C'est toi qui sais pas écrire. Sauf que c'est ER. Non, c'est ES. C'est ER, mec. C'est ES. Je viens de regarder sur internet. R-I-E-R. Ah non, moi c'est M-A-R-I-E-S. Non, moi je pense que c'est ER. Bah je sais pas, on va voir sur Google Images, il y a plein de trucs avec marqué marié. Bon. Les vives les mariés, I et S. Et ben le correcteur. C'est le correcteur, je lui mets un doigt moi. Parce que c'est pas prêt. Bon allez, t'accélères là. Eh, il y a carrément un tapis rouge. Il y a un tapis rouge. Oh putain. Amour. Mec, t'es un gamin d'affaires. Tu me tuais tout à l'heure toi, donc ferme la bouche. Ferme la... Est-ce que t'as avalé des moustiques? Ferme la bouche s'il te plaît. Wouah, le truc qu'on dit plus, tu sais, depuis au moins 20 ans. Bah, ça s'est jamais dit, je crois. Si, ça, dit au 17e... ferme la bouche. 17ème siècle, Jean-Marie de Claude de la France. De la France. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Ah, c'est un honneur, nous aussi, de vous enfin vous rencontrer pour la toute première fois. Parce que j'ai eu vos grands-pères et tout. Vu. Bah oui. Je suis désolé d'ailleurs pour votre famille. Ouais, c'est tous des accrofris qui sont tous morts à cause des printers. D'accord. Ah monsieur, alors ce qu'on va faire, vous allez vous mettre normalement. Donc nous on n'a pas encore vu la salle, hein, mais vous allez vous mettre au, bah, comme à la place du mec qui doit dire voilà, vous êtes marié, il faut madame machin tout. Et nous on va descendre. Un petit discours. On va descendre un à un, comme les vrais mariés.
qu'il y avait avec le bouquet de fleurs. Tu voilà. Comment j'ai fini en quoi. Voilà. Pour la vidéo. Et mais y a pas vos parents ? Non, non. Bah, en fait, ils sont en voyage au scout. Donc, ils sont en train d'apprendre le métier du scout au moins de 14 ans. Parce que moi et mes parents ont 6 ans et demi. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous vous êtes priés à tous de rentrer dans la salle. Attends, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Oui, il en manque plein, mais laisse tomber. Il en manque plusieurs. Fais la chatte verte, petite fête. Petite. Ah, excusez-moi. Petite fête. Au chalet du lac. Eh, Tristan, je peux t'ajouter sur Steam ? Ouais, vas-y, si tu veux. Ok. Dangereux ce que tu fais, là. Ouais. Merde, j'ai répondu dans le jeu. Allô ? Allô ? Oui, bah vous êtes où ? Ah, on est au chalet ! On va faire une fête, venez ! Ouais, c'est génial, ouais. On casse des. Ah, le chalet près de la mer. Près de la mer. Oui, enfin près, oui, de la côte. Ah, c'est bon, je sais. Puis pourquoi pas. Gardons les portes ouvertes. Ah ouais, mais ça c'est pour la lune de miel, mon chéri. Ah, parce qu'on voulait pas le faire en même temps. Ah bah c'est dommage. Ah bah non, il y aura beaucoup de personnes en même temps. Tu vas la mettre à l'étage s'il te plaît. Je vais la mettre. Laissez-moi ce plaisir. Eh franchement, il est bien le truc roleplay là. Il y a plein de trucs. Tu veux que je répare ta grosse voiture ? T'es sérieux là ? Je te trompe Tristan. Ne dis pas ça, pas maintenant. Je vais voler sa voiture. Lol. Donne les clés de ta voiture, mec. Je te retrouverai. Il va revenir. Bon, la fête alors. Ouvre ta voiture, s'il te plaît. Je vais le voir. Wow. Ah, attends. Allô. Allô. Oui. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai mal au contrôlement comme toi tout à l'heure avec ta Bugatti. Essaye la voiture à Vladimir. Le truc c'est que j'ai eu un accident. Ah mince tu ouais. Oh non. Oh non. Non, c'était sa voiture préférée. C'est lui qui a volé ta voiture. Tu l'as retrouvé. Il a craché. Mais tiens, t'es où? Où tu es? Je suis après les quartiers riches. Après les sorties quartiers riches à la dernière maison. Ah, d'accord. Il est au quartier riche, la dernière maison. Quartier riche, c'est où le quartier riche? Ça doit être le, là où les trucs des mafieux. Dis, est-ce que c'est la colline des mafieux? Est-ce que c'est l'endroit où il y a les mafieux? Mais non, il va pas tuer. Il a raccroché. Non, il est mort. Ah bon? Ouais. Il a dit qu'il allait se suicider, ensuite il a fait, il va me tuer, il a raccroché. Ça fait peur quand même. Comment c'est ce que j'allais faire? Allô? 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 Ouais. Oui, il y a Hamed qui m'a écrasé dessus. Bon, ouais. J'ai survécu, sauf que j'ai un pied en moi. Par contre, je vais pas pouvoir ramener ta voiture. Venir me t'inquiète. Chercher, pas tout à fait à la mairie, mais... tu vois la mairie quand tu vas à la gauche et que ouais. Pour aller jusqu'au lac. Et ben voilà, je vais à pied, mais si tu peux venir me chercher... Le problème, c'est que j'ai plus de voiture non plus. On me la bêta. Je le vois pas. D'accord. Ah merde. Ah, je vois la voiture. Ah, tu sais quoi, je vais venir rouler à capter, mais tu vas être un peu choqué de mon pied. J'en ai plus. D'accord. Mon pied. Ah oui, je vois ça. Par contre, il y a Lilian qui va revenir. Y'a qui? Y'a Vladimir, il arrive. Ah, très bien. Ils m'ont offert comme cadeau. D'accord. Et fais gaffe, il t'attend avec un fusil à pompe. Où ça? Il est dans la maison. Attention à ma fontaine, voyons. Il est où dans la maison? Dans la maison. Il y a
Mais dis-moi où dans la maison. À gauche en fenêtre, entrant. Non, non, mais il sait pas que t'arrives. Bah, tu sais que. Ouvre la porte et bute-le. Tue-moi deux minutes. Non, vas-y, bah, t'inquiète. Alors, attends. Ah, s'il y a la banque, je la brasse. Bah, y'a une banque si tu veux, vas-y, va voir. Non, elle y est pas. Enfin, je sais. Oh. Non, y'a plus. Il a levé, je t'ai dit, il a levé parce que tout à l'heure je l'ai braqué toute seule. Mais sur mon compte. Je dois pas avoir beaucoup. Alors, 80 500. Bon, ça va. Je veux 80 500. Plus mes 40 000 sur moi. Tiens, cadeau, je t'offre ça. Oh non, merci. Ah, mais de rien. Oui, il est si content que ça quand même. Ah, j'aime pas avoir 169 000 en plus. C'est quoi, je lui en drop 100. À ce qu'il paraît, ça paye bien mes partenaires. Bon, mais maintenant j'ai 215 000 sur mon compte. Ah, il aura 300 000. T'as demandé combien la vérité ? Au départ, j'avais demandé 1 million. Mais maintenant, j'en ai 5 millions, je crois. Comment t'as fait pour la doubler ? Bah, je sais plus. Bah, je crois que je lui ai demandé, puis il me les a donné. Oh non. Ah là, c'est la vie. Allez, tiens, va, encore. Non. Cadeau. Vas-y. Mais sinon, bien ou bien ? Bien. Bien. Allez, tiens, va. Tiens. Il est trop content. Oh non, mais là, putain. Vous m'avez donné une fortune, les gars. Ah. Attends, je vais te donner encore un peu plus. Je reviens. Je le sens pas du tout. Oh, attends. Ça marche pas un dollar, je te dis. Tiens. Ah, putain. Minimandire,